Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va préparer une petite sauce italienne. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va faire le prochain épisode des défis. Alors, le défi était proposé par Luca Gaden. 4 barges de Zouka et 4 barges de guerrier. C'est bien ce que j'ai fait, vous pouvez vérifier. Pas besoin d'un huissier de justice. Donc voilà. Je vous montre le niveau de mes troupes. J'ai super peur, tout simplement. Puisque, comme j'avais dit dans le dernier épisode des défis, les Zouka, ils attaquent avec une portée assez loin. Et les guerriers attaquent au corps à corps. Ils n'ont pas du tout la même vitesse de déplacement des troupes. Ça va être compliqué, ça va être drôle, c'est un peu le but de cette série. Alors, les guerriers sont niveau 13, je suis en train de les améliorer. Je m'attends bientôt niveau 14. Bon, pour l'instant, ils sont niveau 13. Par contre, les Zoukas sont niveau max, ils sont niveau 20. Alors, je vous montre à peu près tout. Artillerie 20, barrage 16, fusée éclairante 6, médikit 19, électrobombe 6, fumigène 3, bestiole 1. Ok, alors c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer pour l'instant une base garde noire. Alors après, si franchement ça se passe bien, je vais faire une deuxième attaque jusqu'à ce que il y a presque plus de troupes. Parce qu'une attaque, je sais pas si c'est suffisant. Si je meurs, par contre, ça va être drôle. Hein, et par contre, si je meurs, bah, je pourrais pas en faire une autre map. Alors, il y a plein de nouvelles maps. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, ça, c'est trop près du QG, j'ai l'impression. Je vais changer. Je vais d'ailleurs très bientôt reparler dans une vidéo de la nouvelle mise à jour. Alors, je vais peut-être faire celle-là. Bon, allez, c'est parti, on va faire celle-là. On va pas chercher toutes les maps. Hein. Faut bien qu'on en fasse une un jour. Alors, tir de barrage sur celui à droite et sur celui à gauche. Ce qui est bien, c'est que les Zoukaligars n'utilisent pas de points de canonnière au débarquement. Je vous apprends rien. On va finir ce dernier lance-roquette. J'aurais pu envoyer des bestioles. Non, parce que là, les bestioles, elles vont me servir pour détruire les mines et ça va être sympathique. Allez, c'est parti, on envoie tout. Alors, oui, donc là, on voit là, vraiment la différence. Ils tracent un truc de ouf, les guerriers, par rapport aux Zouka, aux petits Zouka. Et là, à mon avis, les guerriers vont pas faire long feu. C'est, je pense. Donc là, j'ai frisé le lance électro-bombe. Je vais. J'ai focus le QG. Il me reste simplement 5. Il me reste juste 5 guerriers et j'ai terminé. On va faire une deuxième map avec seulement 5 guerriers et presque la totalité des Zoukas. Ça a été rapide cette map niveau 60. Mais on a vu vraiment la différence entre les guerriers et les Zoukas. Voilà, ils sont allés au sacrifice, les guerriers, tout simplement. On va faire une petite deuxième map. On va pas s'arrêter sur celle-là, tout simplement. Alors celle-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, destruction drastique. Il me semble que celle-là, ce n'est pas une nouvelle map. Et que je la connais, donc ça faciliterait. Allez, on va faire celle-là. On va faire celle-là. Normalement, je peux y arriver, on ne sait jamais. Alors, ce que je fais quand je détruis cette map, d'un côté, ceux qui sont à peu près à mon niveau, ça les aide pour détruire aussi cette map. Je fais un tir de barrage à gauche, un tir de barrage à droite, ce qui va détruire les barils autour. Juste après cette attaque, je tire au sort le prochain défi. Peut-être le vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas sous cette vidéo dans les commentaires à vous aussi publier votre défi. Allez, c'est parti. Là, ce que je fais aussi, c'est un tir de barrage à droite et à gauche pour bien détruire les mines et les bâtiments défensifs qui sont devant. Alors, normalement, c'est les détruits, mais j'ai bien dit normalement. Je vais commencer par les guerriers sur la gauche. Ça va être plus simple. Hop, je les positionne ici. Ça, c'est plus pour les. C'est plus pour les Zoukas que je les positionne ici. Alors, il reste presque plus de guerriers. Il en reste plus de 3. Est-ce qu'ils vont réussir? Je vais focus le QG. Il m'en reste plus de 2. Ils vont crever, mes guerriers, directement. Voilà, j'ai plus de guerriers. J'ai presque la totalité de mes Zoukas. J'ai détruit 2 bases de la garde noire. Donc, c'est plutôt pas mal comme défi. C'est assez intéressant parce que je pense que ce sont deux troupes éloignées, enfin voilà, contraires. Comme je le répète, on va d'ailleurs voir les statistiques. Je vous apprends rien, mais si je peux vous montrer. Les Zouka, portée longue, vitesse de mouvement lente.
ce qui est totalement le contraire des guerriers. Vitesse de mouvement rapide et portée combat rapproché. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer des défis comme celui-là. Je sais pas, ça peut être par exemple... allez, j'allais dire grenadier guerrier, parce que les grenadiers, les frapper les guerriers. Bon, je sais plus si depuis la mise à jour, on ne peut plus frapper ses propres troupes, mais il me semble que si. Donc voilà pour ce petit défi, je vais tirer au sort le prochain défi. En tout cas, merci Lucas Gaden de m'avoir proposé ton défi. Allez, c'est parti, vos défis sont là, toujours dans le même bol. D'ailleurs, il y a plein de poussière dedans, puisque ça fait très longtemps qu'il n'a pas été lavé, mais ça, on s'en fout. Allez, je tire au sort. J'espère tomber sur des défis concernant les Brazuka, puisque j'adore cette troupe. Cette formation de troupe, plutôt. J'en ai pioché un. Radamante. Il me semble que j'ai déjà fait un défi de toi, tu as de la chance. Radamante. Ah oui! Ah d'accord. Attaquer avec 7 barges de médecins et une barge de mon choix. Donc voilà, pour ton défi Radamante, c'est ce que je vais faire. Je montre à tout le monde. Attaquer avec 7 barges de médecins et une barge de mon choix. Donc je ne sais pas encore quelle troupe je vais utiliser dans cette fameuse 8ème barge. Par contre, tout ce que je sais, c'est que cette troupe sera invincible, tout simplement. Parce que 7 barges de médecins. Alors par contre, mes médecins sont pas assez améliorés. D'ailleurs, je vais aller les voir tout de suite. Ils sont combien? Ils sont niveau combien plutôt? Niveau 3. Bon, j'espère que ça va le faire. Il va y avoir à peu près 4 infirmiers par barge. Bon, on va les voir. J'espère que je vais réussir ce défi. De toute façon, si on n'arrive pas, on est là pour le fun, les gars. Proposez vos défis dans les commentaires sous cette vidéo. On se retrouve très bientôt, les amis, notamment ce soir pour le Twitch. J'espère que vous serez là avec le fameux boîtier d'acquisition. J'allais le montrer, mais je ne le trouve pas. Donc, gros fail. Salut à tous.